Vous avez vu le produit JP derrière le guide? Non. C'est le produit qui sert à traiter les scies. Donc là, le premier trait de scie, il n'y a que celui-là qui n'est pas automatique en fait. Celui-là, c'est lui qui laisse son doigt sur le bouton en fonction, pour couper l'arbre jusqu'au bout. C'est une sécurité. Après, là, pour billonner, hop, là, il valide juste la coupe. Il appuie une fois sur le bouton. Et c'est pareil, il y a des capteurs sur la scie pour, en fonction du diamètre. La scie va couper juste le diamètre de l'arbre. Elle ne va pas, chaque fois, aller en bout de course et revenir. Voilà. On entend. Là, le diamètre est plus petit, mais elle descend pas, elle va pas jusqu'au bout. Et donc là, vous voyez, là, il travaille manuellement, par exemple. Donc là il cherche pas à contrarier la direction de chute. Hein. On ne s'amuse pas toute la journée à pousser les arbres. Là ça, le ballon arrière, c'est l'arbre qui le fait tout seul. Oui, c'est le. C'est quand la cime tombe en contact avec le sol. C'est un effet ressort, on va dire.